Salut, salut! Aujourd'hui, on se retrouve pour la palette en Jupiter. Elle est trop belle. Donc, on reste encore dans les tons mauve et rose. Donc, je vous mets en barre d'infos le lien pour les palettes, comme pour les autres. Et le lien de la vidéo de Tammy Clark, qui donc, pour les 4 précédentes, c'était une vidéo avec les 4 palettes. Là, c'est une vidéo par palette. Donc, je vous mets. Et d'ailleurs, je vais faire le même make-up qu'elle a fait dans cette vidéo, parce que je l'ai regardé encore hier et il est canon. Donc voilà, je vais faire le même make-up qu'elle a fait dans cette vidéo là. Et ben, je vous laisse tout de suite avec les swatchs, je me rapproche et on attaque direct. Donc je commence à dégrader le fard en le remontant un peu. Et je finis comme d'habitude avec un coup d'estompeur propre. Donc ensuite je prends celui-ci, le 231 de chez Jessup. Et je prends cette teinte là que je vais mettre en coin externe. Donc en espèce de outer V parce que c'est la forme qu'elle aime bien faire elle. Et pareil pour le coin interne. Donc oui, c'est un halo. Bon, en ce moment c'est tout à fait le genre de make-up que j'aime bien faire. Ça vous laisse smoky. Voilà. Je rejoins la couleur dans le creux. On commence à estomper un peu le bord. Je reprends mon premier pinceau, ma première couleur pour redégrader. Et avec celui-ci qui est le 221 de Jessup, toujours, je prends cette teinte-ci que je remets dans le creux. Ah oui, cette teinte est plus belle que la première. Elle, elle le rajoute parce qu'en fait, la première couleur que moi je mets, enfin qu'elle met aussi d'ailleurs, sur sa peau métisse, là, elle donne pas du tout, enfin elle est très claire quoi. Mais alors cette couleur-là, bon, je l'adore. Donc elle ensuite au doigt, elle prend cette couleur-ci. Mais moi j'ai envie de prendre celle-là. Donc je vais prendre celle-là. Et on le met au milieu. Donc je suis retournée voir sa vidéo pour voir un peu la comparaison avec la Gouda Beauty justement. Et la Gouda Beauty est quand même plus dans les tons violets que celle-ci, un peu plus dans les tons chauds roses. Mais elle reste magnifique, hein. Vraiment très jolie. Hein. Et par-dessus, elle prend celui-ci, qui moi je ne le vois pas. À mon avis, elle en prend un peu plus parce que elle, ça fait vraiment, voilà. Et celui-ci, il y a des petites paillettes dedans. Donc je vais les passer un peu dans le creux. Ouh. J'aime beaucoup. Alors, avec un 230 de chez Jessup, je vais reprendre la teinte violette pour estomper ici les bords. Et avec mon premier pinceau, enfin avec la couleur la plus foncée, j'estompe le bord du violet. Donc j'ai remarqué qu'elle faisait toujours, elle mettait toujours son crayon en muqueuse avant de faire son ratine, donc ben, je vais faire pareil pour voir. Voilà, donc j'ai mis le Bourjois Clubbing comme d'habitude. Donc ensuite pour le rat de cils, on reprend celui-ci, le plus foncé, et je dégrade avec... En fait ça change pas de la forme bouchée d'habitude quoi. Ensuite en coin interne, on reprend cette teinte là qu'on a mis au centre de la paupière, la plus lumineuse. C'est joli. C'est hyper lumineux quoi. J'ai limite envie de rajouter quelques paillettes au centre quand même. Donc je vais prendre pour ça un œil glisson. Je vous ai fait une vidéo complète au sujet de ces petits produits de chez Revolution qui est le Yours Truly. Et je prends le côté pailleté que je vais mettre au centre. Voilà, donc je ne vais pas faire de liner aujourd'hui. Je vais juste mettre mon mascara, mon rouge à lèvres et je reviens tout de suite. We'll be right back.
cils, j'ai mis toujours pareil, le Honey de Miracle et celui de chez Catrice pour les cils du bas. Et sur mes lèvres, j'ai mis le crayon Soar de chez MAC et le Faceful de chez BH Cosmetics. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas utilisé mes rouges à lèvres BH Cosmetics et je les adore. Et en plus, la teinte va très bien avec le Soar. Voilà. Donc voilà pour ça. On a terminé avec cette palette. Ben j'aime bien. J'aime bien. Après, je trouve qu'il devrait y avoir un peu plus de teinte violette. Puisque bon, c'est quand même le principe de la palette, logiquement. Putain, je suis en train de foutre mon doigt dedans. C'était censé être un peu plus violet, mais ma foi. Elle est sympatoche, sympatoche. Alors ça fait plusieurs fois que j'y suis en vidéo et je sais pas pourquoi. Ça me fait penser à Maïté. Donc demain, on se retrouve avec la palette Mars. Je vais vous la montrer. Voilà. Voilà. Ça, c'est pour demain. Normalement. Parce qu'entre temps, vous aurez le haul sold, je pense. Je ne sais pas encore si je vais couper cette série pour vous mettre le haul sold, je pense, que samedi. Donc je ne sais pas quand est-ce que ça sera. On verra bien. Ben voilà. Si vous avez aimé ce make-up et cette vidéo, n'oubliez pas de la liker. Voilà. Et de vous abonner, d'activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et bonjour sur Instagram, c'est affiché ici. Et vous avez également le lien en barre d'infos. Et on se retrouve demain pour la suite des vidéos Beauty List. Et en attendant, je vous dis bisous bisous.